coucou les gars, on se retrouve à l'antique galerie, antique et art populaire. Donc c'est vers Montreux, non pas Montreux, Château des. Et il y a plein de vieilles pièces en bois et tout, c'est magnifique. Et c'est vraiment un vieux menuisier, donc derrière il y a son atelier et tout. C'est vraiment rare de trouver des trucs ici et c'est magnifique. La grosse galère là, tchim. T'inquiète là. Comment c'est la frappe? Tiens, ton mac raclette. Pas de gibouille. T'es régalé, mon reuf. Grosse galère là, tchim. La frappe. Avec l'endroit dans le truc. C'est automatique? C'est un algorithme. Ouais. On a tous les gros fromages. Genre en fait, s'il y a une machine qui vient, les prend et qui les amène dans d'autres chambres où c'est un peu plus froid ou un peu plus chaud. Et là, ils vont à peu près 5 à 6 mois, même plus de 1 an et demi. Ça dépend les fromages. Et du coup, c'est ce qui fait leur goût. Et là, il y a une autre salle aussi. Ouais, ceux-là, ils sont un peu plus clairs. Alors que tu vois, genre, c'est tout ceux là-bas au fond. Ils sont vraiment beaucoup plus foncés un peu. Mais du coup, ouais, voilà. Là, on voit un mec qui travaille un peu. Et sinon, il y a des grosses machines qui prennent les fromages un par un, qui les changent de place pour les réaffiner, tout ça. Du coup, c'est vraiment un sacré boulot. Il y a des bonnes dégustations à faire ici. Bon ref, il y a la grosse villa cahier. Ouais, l'équipe, ouais, l'équipe. Villa cahier, l'équipe. Piscine, rooftop en plus. Oh, le rooftop. Ouais. Là-bas, t'as Thomas aussi. Regarde. C'est Thomas. Ouais. Oh, il y a Fedim. Oh, Fedim. Oh, oh Fedim. Il y a Vincent derrière toi. Oh, Vincent. Bien. On habite, c'est un cultiveur. Il cultive toute la coco. Ouais, caméraman, ouais. Du coup, Théma, là, on arrive sur la fabrique. Parce que là, en gros, il y a son petit boudin de chocolat. Il commence à sortir, tu vois. Du coup, ça passe tout doucement, tu vois. Ils mettent le chocolat là et ça le moule. Ça le moule. Suis-moi, mon gars. Venez, l'équipe. Le boudin, il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Il se fait couper, ça fait des petits boudins. Ça fait des petits troncs de bois, des petites bûches. Ça passe là, ça le remouille. Du coup, il brille bien. Ensuite, tu viens ici. Tu vois, il brille toujours. Il ressort. Là, il bronze. Ça les permet de bronzer et du coup, il sèche. Genre là, c'est frais, tu vois, tu touches un peu, c'est frais. Viens. C'est le plus intéressant. Il y a une machine, regarde. Filme la machine. Prennent le chocolat et il emballe. En voici, en voilà. T'en veux encore? En voici, en voilà. Tu veux un verre? Je peux prendre un verre. T'as une fontaine de chocolat. Que des bonnes galères. Ah, vraiment, le vigile, il nous touche, on est mort. Hein. C'est à quoi cela? Ça, c'est bon. C'est la frappe. Mec, tu peux filmer la poche? Oh, que de la galère par là. Ouais, y a du monde. Ma poche, elle est tellement lourde. C'est un bon. Il est chaud, c'est un bon. T'es magro. La maison cahier dans le. Un chocolat. Petite galère à bas bord. Ça sera dans le vlog, ça. Bah, c'est pas grave, j'ai trop envie de pisser, mec. Il y a un gros temps de merde, du coup je pourrais pas sortir l'appareil. C'est vraiment une sorte de Berne. De toute façon, là on va faire une prochaine ville, ça sera Berne. Et c'est vraiment la frappe. Et Fribourg, c'est un petit Berne en fait. Là, je vous amène à Berne, ça va être la frappe. A tout de suite, les amis. Ce genre de bolide, elle est incroyable, elle est magnifique, quoi. Putain, elle est vraiment belle. Hein. Non, mais j'aime bien les. Non, elle est magnifique. C'est plein de crasse, il est dégueulasse. Parce que le mec, il en prend soin. Non, mais elle est magnifique. T'as ce genre de véhicule à Berne, incroyable, les gars. Là-bas, petite Tesla. Regardez la profondeur du parking, les gars. Ouais. On est là. Là, on a le petit FCZ. Petit magasin. Un petit Leica, c'est magnifique. Il y a plein de vieux produits aussi pour l'argentique. C'est incroyable. Là, il y a le Fujifilm GFX 100. Voilà.
Là, il y a ma petite Titine là, ma petite Fuji XT4. Il y a toute la suite Fuji, c'est incroyable, c'est super beau. Ouais, ça va. Non, mais regarde, les loups. Je suis pas très fort là. T'es mal là-haut. Ah bah, regarde, justement. Là, j'avoue. Au clocher de Berne. Pour de vous, là, il y a plein de marchés tout au long avec plein de drapeaux de chaque côté. Du coup là on a le drapeau de Berne, le drapeau suisse et je crois que ça c'est le drapeau de l'armée si je dis des conneries, je suis pas sûr. Bref, on va continuer vers la gare. Les gars, on vient d'entrer dans un magasin. Ça ressort pas entre pas, gros, c'est incroyable. C'est où on est, gros? Viens, on va là-bas. Regardez-moi ce paradis, les gars. C'est incroyable, les planches. Ça, elle est stylée, hein. Il y a trop de decks pour un seul humain, c'est pas possible. Non, vraiment, mec, ça pète le feu, hein, putain. Et en fait, il y a vraiment un Apple Store. Et à côté, il y a des cahiers, c'est incroyable. Donc pour l'instant, il y a qu'en Suisse que j'ai vu ça. Genre, vraiment, t'as les trucs de la rentrée. Enfin, un Apple Store juste à côté. Avec plein de trucs, et c'est super quali, hein, franchement. On se réveille avec de la pluie et à la fin d'après-midi il y a du soleil, c'est vraiment carré. On a du beau temps là, on a vraiment du beau temps en Suisse et ça fait plaisir. Parce que là ce matin vraiment ça puait, gros orage et tout, pas fou du tout. Et non là c'est cool, c'est vraiment cool. Bon allez vas-y, on va se retrouver à Montreux les amis, petit contre-jour. On va se retrouver à Montreux donc à tout de suite. De la sneak, les gars, c'est incroyable. Il y a des Jordan de partout. Non, vraiment, il y a que des grosses figurines. C'est hyper grand, par contre. Hein. Le beau magasin, c'est gentil. Oh, celle-là, là. Oh. Non, celle des figurines comme ça que j'ai reçu. J'entends une box complète de ça. C'est incroyable. Genre une box de 10. Non, mec, tu veux filmer une vraie paire? Non, tu veux filmer une vraie paire? Mon gars, ça, c'est la première paire de Jordan. On va pas trop avec les reflets, mais wow, c'est incroyable. Ça, c'est la première. C'est la première. Et genre, avant, les basketteurs, ils jouaient avec. C'est pour ça qu'elle cote autant maintenant. Wow. Ça, c'est des putains de dunk, gros. Mais je vois, ils ont pas les pigeons et les paris. En même temps, ils pourraient même pas les exposer, gros. Tous les gogoles, ils feraient mieux. Ouais. Ouais, ils les vendent beaucoup trop cher. Ouais, je sais pas bien. Ah, attends, les box Lego, je vais les voir. Ouais, les bandanas, les clothes. Ils ont même pas des trucs de fou, c'est dommage. Ils ont beaucoup de figurines par contre. Ouais, mais les figurines, elles sont.